Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue encore une fois avec une émission de prédilection, le débat sur Tatv. Un rendez-vous à ne pas rater sous aucun prétexte. Le débat, au cap suivre nous, comme on connaît, sur 38.5 plans sur Orlando, sur 18.7 plans sur Miami ou Boao, et puis sur 11.3 pour cette Lucie. Madame, Monsieur, nous connaissons chaque fois, nous avons rendez-vous avec l'émission ça, nous avons invité. Yon invité de bonne qualité, yon invité qui capable parler, qui capable faire nous comprendre la réalité. C'est notre responsabilité. Nous avons télé Anaka Ona dans l'émission Le Débat pour nous porter mode ou encore type de invité ça pour nous. Comme d'habitude, restez branchés, nous tournons tout de suite après pause là. Communauté haïtienne, haïtien tout partout. Mais une très bonne nouvelle nous portons pour vous. Easy TV, Cable TV service pas nous, puis ouye, puis coupé. Vin avec un avantage, barbe et moustache. Kounia, c'est juste prendre un an service. Et puis, wap, une boîte Easy TV à gratis, ti chéri. Oui, j'entendais là, gratis. Sous réseau Easy TV, wap, une plus passer 300 TV channel en direct. Vidéo ak movie on demand. Tout dernier movie qui fait sorti yo, movie haïtien, africain, plus en pile documentaire. N'a besoin de channel sport pour nous garder tout match football, basketball. N'a besoin de tout channel pays d'Haïti, la France, Canada, États-Unis, l'Afrique, nouvelle évangile et la trier. Tout ça en bon jan qualité high definition. Nous bay pi bon avantage passe tout l'autre qui service qui sous marché a Easy TV avant n'ap marché oui. Pour téléphone nan non 786 277 1093 786 277 1093. Bonsoir, de retour après la pause, madame, monsieur, comme annoncé, notre invité, le jeune Peterly Jean-Baptiste, avec Peterly, nous allons regarder en pile bagaille. Nous allons regarder côté de sortie en Haïti, nous allons regarder parcours, nous allons regarder intégration, nous allons regarder raisons qui font le quitter pays, et est-ce que Peterly était attaché avec la terre natale. Peterly, bonsoir, bienvenue dans le débat. Bonsoir, Gauthier, et bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent nous là. Et je dis à son plaisir. Donc, le plaisir est partagé, Peterly. Je suis bien content et pour le faire émission ça avant, puisque et nous rencontrer plusieurs fois, nous discuter, nous parler plusieurs fois. Et nous croyons que nous avons des bagages pour dire avec jeunes garçons, jeunes femmes qui ont regardé l'émission ça. Que ce soit ça qui vivent en Haïti, qui connaît Peterly, qui te levé avec ou qui te l'école même pour te avec ou, que ce soit les amis qui ont été gagnés ici, puisque vous avez fait un bon bout de carrière ici, que ce soit et dans l'école ou encore dans l'armée qui ont été passés, ou te passé, ou passé déjà, ou bien toujours y est. Donc Peterly, parlez-nous un peu, qui compte sortir Haïti? Bon, je suis sorti au Cap Haïtien, et donc je suis sorti plus précisément dans une zone qui est les bancs du Nord, et pour Fort Bourgeois. Donc c'est là que me grandi et l'école et CPN qui c'est collège pratique du Nord et c'est là que me fait de 6e à philo bien avant me faire études primaires dans l'école Antenor Firmin qui c'est une école l'état donc
nous t'ai fait de première année à sixième année là. Très bien. Donc, est-ce qu'on fait toute étude ou net de primaire jusqu'à philo au Cap? Oui, je fais toute étude et je même commencé à faire étude université au Cap Haïtien. Donc, et nous vraiment fraîches ici aux États-Unis. Ok. Bref. Maintenant, vous sortez dans la famille, parlez-nous un peu de famille, maman, papa, est-ce que je dis à vivre ici ou bien est-ce que vous êtes toujours au Cap? Bon, et apparemment, vivre ici, malheureusement, nous ne vivons pas dans la même ville. Mm-hmm. Et maman a vivre Indiana. Et papa m'a mouru. Et donc, malheureusement. En fait, toute famille, moi, presque ici, seulement, j'ai un petit frère qui est à Haïti avec un tonton. Et puis, grand, moi, tout, qui c'est un monde qui investit dans moi en pile. Donc, il est à Haïti. Et donc, c'est mon ça que j'ai. Très bien. Ok. Et vous quittez Haïti, Peter Lee, dans quelle année et pour quelle raison fondamentale que vous pouvez quitter Haïti pour venir migrer bon, ici aux États-Unis? Bon, et objectif là, pas vraiment pour nous être capables de venir immigrer ici aux États-Unis. Et nous avons un plan. Plan, c'est parce que là, nous regardons que en Haïti, il n'y a pas trop de bagages qui. Yo offri à jeunesse là vraiment et puis m'étais dans université et de là m'étais commencé faire business en Haïti et c'est moi même qui t'ai venu avec question de moringa au Cap Haïtien et t'ai un grand entrepreneur monsieur le David et donc monsieur t'ai mettim comme un agent pour capable distribuer moringa en Haïti et ça t'ai commencé bien marché donc après les vinab calculer m'a poué des bagages qui englobé et réalité haïtienne moi que nous pas qu'à faire un grand avenir en Haïti vraiment parce que il y a un phénomène moto mais m'a regardé des jeunes pareil moi mais cap perdu pied yo cap aveugle parce que nèg la font accident moto et puis nèg la pa gen soin m perdi on bon partenaire et nous té l'école ensemble monsieur nous accident moto moi même victime nous accident moto côté que m té manqué perdi pied et m dit que et m capable victime n'importe qui côté bot en Haïti pa gen assez soin au carbo sou font accident et c'est yon nan raison tout qui té motivé pour me capable censé et quitter pays là. Donc ça veut dire ou tu constater que gagne trop et situation qui ca fait mon victime en Haïti soin yo difficile ou bien soin yo quasiment pas existé, faut qu'on gagne gros corps pour prendre soin l'hôpital etc. Maintenant, l'on vient décider kounya là pour rentrer aux États-Unis, c'était dans quelle année? Fini, m'te vinn visiter États-Unis dans les années 2016. 2016, à partir de juillet 2016, nous devons visiter. Alors, le plan c'était pour me travailler sur bateau, après pour me capable venir ici, pour me capable faire un parcours. Et donc, bon Dieu, censé virer bagayo et les mal prend visa pour mal travailler sur bateau. Yo pas bail moins visa bateau, yo tout bon visa bitou et qui vienne plus bon pour moi. Alors, donc je ne viens pas aller sous bateau, je viens ici tout droit parce que vie bateau et son vie qui est vraiment difficile et donc si je viens ici direct et là ça j'ai plus range et pour me capable censé faire un bel parcours ici et de là me commencer OK. Voilà monsieur, notre invité Peter Lee Jean-Baptiste, le jeune Peter Lee Jean-Baptiste. Qui c'est un jeune avec qui n'a pas parlé? 2016, il est arrivé ici, ça fait 5 ans. Mais Peter Lee, il a tout un parcours, il a tout une histoire pendant 5 années que il a vécu aux États-Unis. Maintenant, et de 2016, l'on rentre ici, qui sort dit tout? Qui sort où? Qui sort où il doit faire? Puisqu'on rentre ici, son visa, etc. Donc, qui sort dit tout? Comment on parle commencer? Et période de transition? Bon, et c'est une période qui est vraiment difficile. Le ko soti en Haïti côté que ou pas habitué ensemble avec gens de système ça ou gen un système ici côté que ou supposé al travail pour fonctionner
et ceci si que ou pas le travail ou pas carte que bill tout ça et là vini ici m'te dit tête moi et m'a commencé parce que j'ai un côté pour commencer on prend et m'a commencé dans dishwasher et non, ça c'est mon anglais. Ah. En plus, mon cap gado, l'autre yeah. Dishwasher, il y a quelqu'un qui parle anglais. Donc, qui ça dishwasher? Bon, je commence dans la vaisseau. Est-ce que tu connais la vaisseau en Haïti? Non. Bon, je connais la vaisseau la caille, moi. Oui. Alors, yeah, je connais la vaisseau la caille, moi, yeah. En pile. Mm-hmm. Et par exemple, tu es censé bailler nous ça comme principe pour que nous toujours fassions ça. Bien sûr. Bon. Mm-hmm. Yeah. So, ces deux-là, je commence dans en dishwasher. Et de là me commencer prendre promotion dans travail là et puis me vinn cook dans restaurant et puis me vinn jouer un rôle manager tout dans restaurant parce que c'était c'est boss là monsieur et vinn tellement apprécié monsieur vinn censé bon à manager restaurant même pendant que m'a cook et donc c'est là que me vinn décider rentrer dans l'armée. Et puis nous vinn faire séparation mais monsieur était vraiment pas de vle m'aller mais bon période là va dire la donne 2016 on rentre en visa qu'on y a pour entrer dans l'armée est-ce qu'il possible qu'on y a pour gagner avec visa pour entrer dans l'armée non n'est pas possible période bon, ça et période pour venir résidence pour entrer dans l'armée bon, c'est période ça c'est période qui est difficile oui donc là que on en paye avec un visa ou pas un statut légal et c'est ça qui fait que il y a un pile jeune c'est là que yo échoué c'est là qui gagne en jeu là que non période comme ça ou besoin gain surtout l'autre étudiant en Haïti ou t'a fonctionné ou besoin gain papier pour capable en censé aller étudier et ou bien pour aller travailler pour joindre un bon job. Donc on y est là ou obligé gagner au monde. On prend. Donc okay. Heureusement moi-même bon Dieu heureusement ou bel hôtel ou jeune gens oh. Hein ou a jeune monde. Mais yes. Ou pas prendre n'importe so, bon Dieu te mette un monde sur route moi. Et c'est un bel monde et les jeunes tout so okay. Et mon plus grand parcelle. On prend. Okay. Et ou après que gagne un pile jeune qui vient ici et donc lui obligé prendre un monde qui gagne n'importe 60 ans pour fonctionner yeah. Et puis et donc mon Vincent c'est colibri parce que il gagne des pressions sur lui mon pas censé confortable avec mon il toujours penser que mon n'a quitter donc toujours gagne et c'est des bagarres que jeune yo vinn a fait face avec à cause des statuts ici aux États-Unis. Et puis qui vient rendre que nèg la malgré te gen un bon plan, il te vle réussi et puis système nan boil. Oui, c'est vraiment en situation qui est extrêmement difficile, les jeunes yo rive ici avec visa ou bien yo rive ici justement, yo te prend l'autre route, les rive ici et bien en pile bagaille difficile pour venir gen résidence. Eh bien, c'est ni jeune femme ni jeune garçon, c'est ça fait des fois ouais relation pas qu'à trop kembe. OK. Maintenant, ou vinn kounya là, gen un monde nan view et puis moun sa lui-même, c'est lui-même qui va le permettre que ou gen résidence dans pays. Yes. Et tout suite après, ou va le faire choix pour aller dans l'armée, pour qui ça choix ça? Bon, mon cher, première raison qui te motive, c'est parce que m'te gen yon tonton et monsieur te fait sans c'est toute ville et Turks and Caicos et qui c'est Provo tonton Samet jodi a la monsieur obligé entrer en Haïti parce que non seulement vie a difficile pour lui parce qu'il pas jamais gen papier dans pays a monsieur allé Provo depuis avant me fait monsieur fait tout temps ça li pas jamais gen papier comprend ne dit tête moi et premier bagaille from citizen pays a. On va dire pour fourer tout depuis yo. Son coin intelligent. Hein? Oui. Dès premier bagage from citizen pays. On voit. Et puis et m'intégrer pour me capable et puis même côté m'intégrer. Boum, et m'gète en citizen après 6 mois. On voit. OK. Maintenant, est-ce que automatiquement rentrer dans l'armée hein? C'est justement en dans formation pendant dans l'armée on prend formation citizen là. Ou capable gain citizenship là pendant en dedans dans l'armée. So tout dépend des gens que et ou tu organiser ça, ou organiser ça depuis avant ou aller, depuis avant ou aller au cas citizen même, comprendre?
So et dès pour gain temps enregistré pour l'armée donc ou ça c'est automatiquement citizen on comprend OK dans période et ou rentrer dans l'armée pour formation et parlez-nous comment ça y est est-ce que gain plusieurs unités ou bien pas connait comment relé dans l'armée et qui choix fait dans qui section ou t'es allé dans l'armée bon et l'armée a li gain plusieurs et branches il gain US Army gain US Air Force gain US Navy et gain même corps spécial même tant quoi qui pour une mission spéciale et gain un corps qui est le Ranger et sous ta vle ou ka nan US Army et puis ou ta vle intégrer corps ça et monsieur ça ou yo vraiment spécialisé dans question guerre avec dit gain c'est des missions et monsieur Sawa aller là-dedans et c'est lâcher maman lâcher maman prend grand Jean pour oui. Là dire là donc il y a différents branches et m'étais choisi rentrer dans US Army et c'est pas parce que m'étais une grande idée de l'autre branche vraiment mais c'était US Army et qui était plus et plus proche moi parce que recruteur m'étais première rencontre avec là monsieur était dans US Army et puis de là me dit OK m'a intégré et c'était une très belle expérience et nous avons combien de temps formation ça t'es duré bon formation ça pas m'a duré environ 10 mois mais gain et gain monde tout dans période Covid là gain monde qui fait 1 an dans formation qui fait plus que 1 an et tout dépend parce que et ça t'est arrivé dans formation qui t'est rendu vraiment difficile c'est parce que gagne pile monde et qui vinn gagne Covid en dedans donc moi même c'est en grâce parce que dans équipe pam nan censé l'été nous 35 qui 39 qui t'est commencé et puis li vinn réduit à nous 9 OK. Ah, c'est bien. Bon. So toute mesure censé gain Covid et puis nous continuer et faut me dire que nous t'es bien représenté. OK. Et comment formation en litéré en termes de technique et sous qui base idéologique yo ban nous formation. Est-ce que les jeunes garçons li dans l'armée et formation à balia li gagne un aspect idéologique puisque nous connaissons l'armée son base idéologique li d'abord maintenant parlez-nous un peu des formations est-ce que l'on est véritablement sorti dans l'armée ou sans tout ka goumen ou ka fait guerre n'importe bon et l'on sorti dans l'armée américaine et Jean le dit là li vle dit ça vle dire l'armée américaine vle dit ça vle dire et c'est plus gros l'armée dans monde là l'armée qui plus puissant dans monde là et yo investi pour ça. OK. On bon? So, là nous rentrer dans formation, yo bay nous des formations et techniques et yo bay nous des formations tout professionnelles. OK. Qui permettent que là que ou sorti dans l'armée, ou capable ou gain moyen pour capable fonctionner. Formation technique qui vraiment difficile et moi-même c'est moi-même qui était plus âgé parmi monsieur oui. Et m'te prouvé malgré c'est moi qui t'ai plus âgé. M'te prouvé parce que gen yon bal qui rele physical training qui c'est un test physique yo fait et m'te toujours parmi les meilleurs là-dedans. Okay. On prend et ça au fait dans training ça. Yo fait des training côté que y a brûlé sous tête ou côté que yo meto under pressure yo mette pression sou y a yo censé appuyer personnalité ou okay. pour faire yo joine moun vrai moun que yo besoin parce que la mer sou pa gen discipline ou pa ka rete là-dedans on prend parce que gon moment rivé yo gen doit meto camper là et puis yo faut faire journée en camper Alors dit sou pa gen principe dès pour virer même ou en bas punition et ceci dépend nèg font des ordres c'est tout monde qui paye c'est ça que nous pa gen en Haïti donc lè que on monde font des ordres tout monde a accusé nèg là tant que et tout monde té ka assumer responsabilité pour que capable corriger
et rien que nèg la faire. Donc ça veut dire que un monde qui sorti dans l'armée sont un monde qui gagne en pile discipline. En pile discipline. Très bien. Est-ce qu'à n'importe moment on dit ou tu es là pour 10 mois et puis sur 9e mois et gagne un mauvais comportement gagne. Est-ce que ça veut dire ça mettre dehors? Voilà. Et ça arrivé dans groupe pam nan te gen des nèg qui était et fait des désordres nèg qui a volé bagaille on prend comme c'est nèg pendant dans la mer a volé oui il y a des vol parce que yo fermé non quand y a prend formation non mais mandan nèg la gen doit voler manger yo pas té beau on prend so y a kick out et gen ça qui relé violence sexuelle nèg la gen doit si nèg la fait sexual harassment sur moun y a il gen nèg qui prend prison même pendant nous dans training maintenant OK et ou même ou al nan branche US Army a qui ça branche ça veut dire US Army c'est une branche qui censé spécialiser pour capable faire des missions donc yo konn voye nous en Afghanistan et yo konn voye nous pour que nous capable aller nous presque nous censé focus sur terre en point et mais ou ajoute l'autre corps Air Force qui plus spécialisé dans l'air ou ajoute et Navy qui plus Marines qui plus spécialisé dans de l'eau en bonne so nous plus et spécialisé et sous terre pour que nous capable et bataille en bonne très bien donc ça veut dire ou t'es dans l'armée cap bataille à terre yeah. Et là nous dans l'armée à nous garder type de formation ban nous dans question zame qui genre de zame nous apprendre nous manœuvrer est-ce que c'est tirer seulement est-ce que nous garder monter zame nous garder réparer zame qui genre on garder formation technique ça qui a rapport avec zame bon nous tirer différents zame dans l'armée nous tirer zame qui est le M4 là nous tirer M16 il y a un zame qui est le 240 Bravo qui c'est un gros zame et nous tirer lui et dans période ça c'était Covid nous pas de temps pour nous tirer c'est de l'autre zame que yo habitué tirer bot et nous même c'était 3 zame ça nous tirer et nous tirer grenade tout donc l'aime dans l'armée c'était moi même comme c'est qui piager mais là comme si il a demandé combien de qui habitué tirer déjà m'a pressé des petits moun 17 18 ans il a dit yo kon tire moi m'pa kon man un pistolet déjà on bon so ya ici on a un paquet de jeunes qui déjà gen zam parents déjà gen zam nèg habitué tirer on bon et nous démonter zam yo nous yo permettre et puis yo fait une compétition tout yo doit bon pour capable démonter zam nan remonter nan 30 secondes on prend donc faut nous ka faire tout ça yeah yeah definitely OK et ou c'est cela haïtien et nan peloton là t'a prend formation pas gagne l'autre haïtien oui c'était moi-même qui était seul haïtien et moi-même tout qui était censé plus et briller dans sens comme si c'est moi-même qui était parler plusieurs langues et yo était vraiment pile respect dans sens ça et on parle français anglais créole espagnol on prend sur des jeunes en pile respect dans sens ça très bien donc madame monsieur comme nous dit invitez nous c'est Peter Lee qui justement un soldat américain qui dans l'armée réserve et avec Peter Lee n'a pas des différents aspects Peter Lee sorti Haïti madame monsieur c'est ça fait n'a pas la Peter Lee à souhait demande un paquet d'amis nous obligé faire interview ça faire émission ça avec Peter Lee pendant nous en Haïti n'a fait ça nous connaît n'a fait yo pendant n'a fait toute qualité scandale qui en Haïti eh bien nous avons des jeunes en Haïti qui quitte pays hein et les arrivé à l'étranger y a servi l'autre pays avec brio avec en pile talent eh bien Peter Lee fait partie jeune ça yo il pas seul mais il fait partie de catégorie des jeunes ayo qui fait au cap qui grandit au cap qui est dans l'université au cap et c'est pas longtemps c'est là avant hier là en 2016 il quitte Haïti il vient là États-Unis bien il déjà a fait un nom il déjà a montré comment que il était capable utile pays mais malheureusement Haïti a poussé d'eau petite dit maintenant Peter Lee OK et après dis-moi gradué mais pendant au fin gradué
est-ce que c'est après graduation là ça qu'on est militaire et puis on va en mission ou bien pendant formation ou tu qu'on a en mission? Pendant on pas vraiment déploie passer dans là mais il y a un déploiement le ou aller dans déploiement c'est pour ou aller pour une mission spéciale ou bien doit déployer en Afghanistan tout ça et donc beaucoup déployer et même gain formation tant que après 10 mois là gain comme réserve gain formation chaque mois m'aller dans formation et un week-end par mois et parfois tout yo gain doit faire 2 semaines n'aller non l'autre state n'aller Georgia et pour prendre formation comprendre parce que et l'homme militaire supposé toujours en contact avec les armes ou prendre formation et surtout nous faire partie mécanique tout donc nous toujours censé frapper très bien maintenant 2 ans au fin de formation pour l'homme militaire et est-ce que c'est un contrat combien t'on capable de faire pour actif et combien t'on capable faire pour nan l'armée réserve là que on la donne jodi bon et actif là li commencé 3 ans ou ka fait 3 ans nan actif et puis réserve là ou gen 6 ans sans ces réserve et il gen ça rele réserve actif tout ou sans c'est parce que là ça ou ka aller nan training ba ça ou et puis ou gen 2 ans ou pa besoin aller nan training ba ça mais si gen on guerre et pays a menacé il y a pris l'eau pour ca censé venir servir ça veut dire que même si on a et l'armée réserve là donc si gen la guerre pays a menacé ou capable prendre l'eau ou mettre uniforme militaire sous ou al bataille oui ou capable voir n'importe côté OK donc on nous dit qu'on y a son guerre et États-Unis Haïti et puis yore l'eau. Et puis c'est au cap, il y a déploie tout nous, il y a déploie où. Bon, ça sont belles questions, oui, et Gauthier. Et mais faut me dire que ici monsieur tellement intelligent, bah quoi il y a font bail comme ça parce que yo connaît que et là gain sentiment qui a rentré dans bagarre là. On comprend? So et yo pas pral vraiment bon. Sous c'est yon juge yo pral bon jugement mon comprendre parce que il pral gen sentiment qui pral rentrer dans bagarre donc ça veut dire monsieur que ça t'a fait yo gen fiche technique militaire pour connait qui côté sorti nationalité yo évite ça oui yo gen record là OK donc c'est pas un jouet en tout cas madame monsieur invitez nous c'est Peter Lee Jean-Baptiste avec Peter Lee n'a regarder différents aspects maintenant nous va le font regarder réalité qui a passé en Haïti. Nous pas sans savoir gen scandale, en pile scandale dans le pays d'Haïti. Secteur démocratique populaire qui c'est SDP, eh bien monsieur Sayo justement yo déclaré y a sorti dans accord si Ariel Henry mettait dans gouvernement moun PHTK, moun Jovenel. Donc en pile discussion chaque gouvernement qui montait, yo chiré papier yo. Chaque formation gouvernement qui pral sorti arrêté chiré, arrêté pas capable sorti. Madame, monsieur, nous allons permettre de suivre la conférence de presse. À nous suivre ensemble, nous allons tourner à inviter nous. Positionnons-nous sur la situation sociale, politique, économique, malouque, pays à traverser, tant que problème de sécurité généralisé, crise gaz et la trier. Nous profitons d'un cadre de rencontre avec la presse, là, dans un contexte difficile, ça. Pour nous demander tout acteur yo branche men dialogue n'a lancé en même temps yon appel à yon sursaut national pour nous joindre yon entente entre nous qui permettre nous sortir dans crise là caucus là a encouragé PM Ariel Henry qui te joindre support yon ensemble structure politique ak organisation société civile pour signer accord 11 septembre 2021 passer dans phase application accord sans perdre de temps. Caucus la levé voile pour demander PM dégager le coup mettre Jean-Jacques monter un gouvernement inclusif cap chita sous sensibilité politique ak sensibilité populaire pressé pour éviter une autre crise dans pays a. C'est dans sens ça caucus la a demandé PM pour prendre bâton pèlerin li
al marché contre tout acteur qui te signé accord ak si la ki pat signé li nan souci pour rassembler tout petit pays a. N'a pas rappelé PM Ariel Henry que groupe caucus a te rencontré li nan yon démarche citoyen à travers signati accord 11 septembre là qui te visé en cours qui te visé encourager li joindre entente ak toute force organisé en dan pays a. C'était dans l'idée pour retirer pays à notre trou. Qui donc nous même caucus politique, nous c'est un groupe indépendant qui engagé un combat défendre pays. Nous pas un petit groupe supporter ni partisan aucune autorité, aucun chef. N'a défendre pays d'Haïti. Pour finir, caucus la suggéré PM Ariel Henry dans période fête fin d'année ça. Pour lui voyager garder situation peuple créer bon gens activité sociale pour soulager misère malheureux et malheureuse pour toute population vivre en fin d'année dans tranquillité dans la paix et dans tête ensemble avec caucus là Haïti pas mourir et il pas doit mourir. Merci. Certaines partis politiques et organisations de base parmi lesquelles nous avons cité Ola, Plan Spa, GP51, AC, Coca et Latrier. Ce que nous avons plus d'une centaine de partis politiques et organisations qui font partie de Cocusa. Et Cocusa mène une bataille très sérieuse, une bataille pour changer le pays, mais ce n'est pas une bataille à mener pour un petit groupe de monde. Ni pour Cocusa, ni pour l'autre. Nous avons mené une bataille pour Haïti, et nous avons une bataille à mener pour Haïti, à mener le pays à côté de l'intérêt l'intérêt. Tout le monde. Côté pauvre, côté risque de sortir dans le pays, pourvu que c'est haïtien. Parce que le combat est fait depuis longtemps dans le pays. Je dis haïtien pas qu'à entendre. Nous-mêmes, dans le caucus, nous disons que il faut finir avec la question. Nous sommes haïtien. C'est un groupement politique qui rassemble plus de 100 partis politiques et organisations société civile. Nous-mêmes, caucus, nous décidons de rencontrer la presse aujourd'hui. Nan objectif pour fixer position nous voilà, voilà, sous situation sociale et nouvelle structure ça qui les caucus hein caucus et qui regroupe un paquet organisation de base organisation politique de jeunes de femmes donc qu'a fait politique en tout cas nous espérons que ce sera pour la bonne cause. Situation politique là l'imangon mais nous est jusqu'à présent c'est pas sérieux en pile moun à poser quelques questions. Pour qui ça et Jovenel Moïse finalement pas là, monsieur Mouri, yo assassiné et puis nous toujours pas ka mettre un gouvernement campé. Tandis que nous tout te qu'on a dit Jovenel Moïse c'est le problème là. Jovenel Moïse depuis le Mouri, pas bien kidnapping, pas bien insécurité, gang yo a disparaître. Et bien nous wè gang yo de jour en jour, gang yo yo plus à multiplier. De jour en jour, nous insécurité là pour augmenter. Et nous avons une capacité pour nous mettre campé en gouvernement. Après là nous d'accord sur même bagaille mais nous chaque monde pas nous c'est pas pour pas nous ça va passer. On nous permet nous suivre encore une fois. On l'autre conférence de presse groupe dans société civile là groupe militant continue à bailler pour y dénoncer les comportements dirigeants yo. On nous suivre ensemble. Question qui donc on pense que jodi là bataille pour que président Jovenel Moïse y compris le peuple haïtien même nous pas lâcher, nous pas quitter le tomber et nous déterminer plus que jamais, quel que soit nègre là, quitte ses mamans, quitte ses papas, de pour impliquer le tuer président Jovenel Moïse ou de aller en prison et puis purger vers nous. Est-ce que vous croyez d'après vous avec Ariel Henry et lumière faite sous dossier ça? Bon, c'est ça que fait nous-mêmes, nous dit Ariel. Pour nous-mêmes, Ariel, pas en rien pour nous, pas même au chef. On choquette la rosée. Parce que Ariel Henry, il est impliqué dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Il doit se mettre à la disposition de la justice pour que lumière soit faite sous question assassinat. Parce que ce n'est pas nous, dit-il. C'est le commissaire du gouvernement. Mais on s'arrête, on bagaille supplétif, vous voyez, ou bien un document que vous voyez, que dit que Ariel Henry parlait avec Badjo ni avant, ni après assassinat. Non, qui, si le commissaire gouvernement
et dit ça non non document et bien moi-même moi crois que Ariel Henry doit mettre à la disposition de la justice et il pas droit faire citer dans question assassinat président mais il a dit ça quelques jours ça pas empêché Ariel Henry toujours été premier ministre. Ça va empêcher la chita par la toute qualité moun dans société civile là. En plus moun te capable de dire est-ce que c'est parce que Ariel Henry poko chita par la groupe pas monsieur qui fait lui aussi hostile. Alors et c'est des opinions mba dit c'est ça mais en tout cas c'est des débats puisque nous connaît qui ça qui politique là en Haïti comment moun fait politique là. On pas faire pour peuple. Nous faire dans nos peuple mais nous descendre aujourd'hui aller n'a pas manger. Peuple là pas sous table là. Donc nous souhaiter que et a gagné en conscience qui prend pour pays en cas sorti dans situation qui lié là parce que un pays qui gagne majorité monde dans population qui c'est jeunes garçons jeunes femmes qui désespéré cap quitter pays par en pile par paquet et nous va l'entrer là dans mois de décembre qui sont mois difficiles dans temps normal mois décembre c'est toujours mois difficile c'est là ça peut-être tout monde chaud mon besoin de tirer sur yo mon besoin et fait tirer réveillon mon besoin passer un bon fin d'année mon besoin préparer sous 1er janvier et ben toujours qu'on gagne petit problème je dis Abdi Noël décembre fête fin d'année presque pas existe en Haïti depuis quelques années nous pas ouais que population haïtienne là a fêté en tout cas problème yo en pile et nous pas ouais qui joue nous pas qui l'est et nous pas ouais gain même en volonté pour résoudre yo donc ou même et Peter Lee et quitte Haïti. Donc comment comprendre situation jeune en Haïti je dis. Bon, je dis et jeune yo vraiment une situation qui difficile. Et m'a dit si m'té Haïti je dis et comment m'ta vraiment et supporter genre de et situation pays là. Donc li vraiment pas yon bagay comme si qui logique gens que jeunes yo a vivre jodi a parce que yo nan bagay ou gen des jeunes met qui a fait effort qui voulait évoluer met mais nèg la pas joine espace pour évoluer le nèg la monte un business met et puis nèg la commencer prend et puis c'est là ça ou pas le temps de kidnapper jeune nan jeune fille met qui a fait effort nèg yo a kidnapper yo tout ça donc situation li mandé pour que gon bagay ki fait et ceci et m toujou ap di que diaspora supposé pran men yo nous c'est nous qui pour descendre pour nan ranger pays parce que nèg yo vraiment montré que yo incompétent pour que yo capable censé mettre pays a sous stabilité pour moun capable fonctionner normalement parce que le regardé ici a go paquet moun ki fin retraité ki anvi a passer vacances en Haïti. Ou go paquet jeune ka fait effort ki a bien fonctionné. Je di a la m te ka descend et la kay mal faire yon investissement. Mais est-ce que m ka al pran chance al fon investissement côté que m konnen que et vim a risque, yo ka kidnappé et non seulement ça tout yo ka boule m ka fin faire yo boule business là tout ça. Donc faut que nous gon l'état qui responsable pour que et tout ça rentre dans question diplomatie entre deux pays autour. Est-ce que par exemple, nous connaît que ou même ou qu'on cap bien ou fait au cap ou grandir au cap ou à l'école au cap, ou venir ici tout vacciner, tout communier, ou va venir ici et ti moun piti et dis-nous trois bagages vous pensez si on résout dit cap porter un soulagement avec jeune yo. Bon, jusqu'on est là Haïti et au Cap, licence est différent par rapport à Port-au-Prince, on prend. Mais toujours comme si gain et irrégularité au connaît. Et donc yo supposé mettre plus en structure dans question et sécurité là. Et puis tout, yo n'a pas qui fait en pile jeune yo et quitter pays là, c'est parce que ou vinn gain et yon la vie qui vraiment cher et puis qui moun nan pa gen yon quantité comme que la rentré qui capable répondre à besoin yo. Donc c'est un problème. Donc ou vinn gen des jeunes qui obligé nèg la assemblé comme pour quitter pays a aller Chili, aller Brésil mais nèg la té ka fon bagay nan pays a pour la fonctionner et
yon lot bagay nèk la te e monsieur supposé fè mm-hmm. au cap c'est permettre que gen des formations techniques qui fait au cap haïtien non seulement au cap en Haïti en général mm-hmm. bon dieu jodi a la gen un paquet de jeunes qui trouvé en Inde qui trouvé en Philippines qui mm-hmm. a fait cob ici aux États-Unis il a fonctionné nèg yo a travaillé pour des compagnies ici. Pour qui ça? C'est parce que yo gen internet, yo gen et technologie la kayo qui permet que yo capable censé évoluer. Mais en Haïti, ou pa gen des formations techniques, ou pa gen et internet si jeune nan, par exemple, besoin font flyers comme ça là. On ka contacter n'importe jeune à Haïti là. Ici, flyers là te ka coûter n'importe $50, mais un jeune Haïti ka fait pour $20. 10 dollars même. Mm-hmm. On prend 10 dollars la répondre à besoin jeunes en Haïti. Nous besoin des jeunes qui intégrés dans monde technologique là pour que yo capable fonctionner. Si besoin font website. Dernièrement besoin font website pour yon business. C'est juste en aide. M'payon nèg qui fait et pour un petit crascope pour moi. Tandis qu'en Haïti là, gen jeune qui était capable faire, mais nèg la pa gen internet, gen nèg qui gen compétence là mais qui pa gen internet pour capable faire. Et gon paquet job qui gen sur internet là, tout nèg la gen doit faire ça rele freelancer. OK. Il pa besoin moi même directement qui pral rele, mais gon paquet compagnie cap joine et cap chercher moun qui pou travail pour faire yon site web pour qui pou faire et yon flyers pour yon ki pou fè de programmation pour yon, mais nèg la te ka Haïti la, gen nèg ki te ka Haïti ka fè plus kòp pase ou ki isi aux États-Unis. Ouais. Bon, c'est parce que pa gen teknòlozi, nèg yo pa sansé régulariser kesyon internet la. Bon? Donc ça veut dire que ça a tout son go a tout que jeune yo a raté là kesyon internet, kesyon teknòlozi. Oh oui. Et gen des jeunes qui extrêmement intelligents. Oh, jodi a gon kesyon de cryptomonnaie qui a fait et on paquet ti jeune qui sit aux États-Unis là. Nèg la dormi là quand il a fait cob. Oui. On bon? Jodi a la gon bal et qui rele steak. Ou ka steak kon coin ou mete cob la là-dedans après un an logado ka gen ou te gen doit mettre un $500 après un an logado gen 200 300000 dollars là-dedans. OK. On bon? Mais l'on gon ti jeune en Haïti qui pa konnen bagay ça ou nèg la a perdu série de opportunités et monde l'an pralé kite nèg la. On bon? Gen des stack moi m'investi tout. On bon? Marché crypto, marché stack. Gen des stack nèg la gen doit te acheter là après la 6 mois nèg la gen doit doubler kobli en li fait 3 fois kobli. OK. Tout ça aussi des opportunités que n'a perdu nous tout près les États-Unis, nous t'a supposé chercher une façon pour que nous ca accommoder à système là, permettre que jeunes yo capable émerger dans système là. C'est pas seulement je dis à la à danser et tout tourner. Avec Santorini là. Mais je dis à la gon paquet d'opportunités sur internet là qui offre gon petit partenaire qui juste en Italie et monsieur le Kabila monsieur a fait des millions de dollars dernièrement moi monsieur qui a font sport ensemble avec Mark Zuckerberg. Okay. Monsieur t'a travaillé dans un restaurant dernièrement. Donc c'est un paquet d'opportunités qui gagné mais à cause d'internet ou un paquet de jeunes qui a raté des opportunités si là-haut. Donc ça veut dire que avec l'internet seulement si nous te gen accès véritablement à internet, faut nous dit tout gen digicel nat comme en Haïti, c'est bagay ça aussi un scandale parce que moi-même et moi quand ça me connait passer en bas mais digicel tantôt me quitter le mal dans nat comme même bagay là, ou te met gen pi bon plan qui gen, donc son véritable scandale. Maintenant avec internet seulement, m'a regardé une série de jeunes yo qui bo cathédrale là, dedans de cathédrale là, qui branche téléphone, qui déprogramme téléphone, son bagage extraordinaire. Même j'en Richard Mastant, on regarde des jeunes qui dans question mécanicien, qui branche machine, yo pas passer pièce côté dans pièce l'école, mais yo ont connaissance extraordinaire. Et nous connaît des universités qui valider savoir ça yo, qui bail moun yo un papier qui reconnaît yo comme des professionnels dans domaine là. Donc si
nous rivé permettre que jeunes yo gen accès avec internet là gen des chômage ta capable réduire en Haïti. Oh oui, ou pas jeunes n'ont pas besoin à faire folie pour aller Chili pour aller pour venir ici aux États-Unis parce que les gen même opportunité ensemble avou. Et nègla gen droit en Haïti là, mon gros ami qui en Haïti, monsieur a touché et $20 par l'heure ici. Nous avons touché $20 par l'heure ici dans nos compagnies. Qui ça fait website pour compagnies et monsieur travaille dans question technologie pour compagnies. OK. Mais monsieur ça fait qu'a fait ça parce que lui permet lui fait système internet par la Kali. Mon gros paquet de jeunes qui gain et qualité a mais qui pas gain et moyen pour que capable exploiter. OK. En Haïti. Très bien. Et donc c'est le bagage sérieux qu'a dit puisque n'a parlé avec Peter Lee qui sont jeunes garçons qui t'a vu Haïti et qui croit que et dans moment ça donc pays a une situation très difficile pour jeunes yo et période fête fin d'année et bien son période qui généralement très difficile pour jeunes yo très difficile pour jeunes yo et l'autre population qui jeune qui très active et bien li capable faire n'importe bagage s'il va jeune encadrement s'il pas jeune en musette et bien population ça capable faire n'importe bagage c'est dommage je dis un plus fort monde qui dans la rue qui fait toute qualité bagage ou toujours c'est des monde relativement jeune et bien grand monde yo gagne responsabilité madame monsieur pour capable montrer jeune yo la bonne voie la bonne direction c'est pas le moment pour n'a faire scandale c'est pas le moment pour n'a faire tollé qui va utile pays a en rien pas une génération spontanée. Il est clair que c'est six poissons, ils suivent grand courant, ça veut dire ils suivent gros poissons. Eh bien, madame, monsieur, scandale dans la République au niveau média. Deux patrons de médias, deux journalistes, ils chacun défend nos patrons. Journaliste Robert Céline Dibopsi, Abdefan et Patron Pal, Patrick Moussignac qui est puis Terrel Telus, Abdefan Patron Pal, qui c'est Ronnie Colin. Bien, gros scandale dans la République. Deux patrons médias, ça y est, ils ont justement. Un non scandale en pile monde qualifié de scandale de mauvais goût qui va faire honneur avec presse là puisque nous connaît presse là gagne responsabilité pour les former moun yo mais pour l'éduquer pour le bayo bon divertissement presse là son pouvoir donc lorsque qu'on y a là c'est des médias qui t'a supposé bay pays à de bonne direction qui t'a supposé bay pays à de bon modèle et bien c'est moun ça va capable affronter et bien son bagay qui bay en pile qui est sauté en pile de l'eau dans ça veut dire qui ça ça veut dire société arrivé non niveau de dégénérescence extrême côté faut gagner des consciences qui prend donc nous même au niveau télé Anakaona au niveau émission le débat nous croyons que gagner en plus bonne image qui cabay de presse là nous croyons que déjà débat ça ou discussion ça ou tollé ça ou scandale ça là trop loin il faut que ça arrête il faut que joigne un modus operandi ou même son trêve Ronnie Colin et monsieur Moussignac qui pas répondre mais Bob C Robert Céline répond chaque matin pour lui et bien faut qu'on trêve qui prend dans sens ça parce que nous son attaque qu'a fait tantôt c'est Terrel Telus qu'a la guerre du fait l'huile sous du feu tantôt c'est Ronnie Colin qui obligé répondre pour lui dire toute bagaille pour lui défendre tête lui il parle de El Chapeau parler de Escobar Pablo donc c'est des noms que nous connaissons qui ont été associés dans le temps avec des bagailles qui très graves qui t'a passé dans monde là particulièrement dans pays Mexique eh bien est-ce qu'il y a des vérités nous pas connaît de toute façon nous croyons que l'important pour Sandra ça camper et nous même au niveau télé en Akaona nous voyons un message clair pour nous dire faut et Sandra ça aller camper parce qu'il va faire honneur à la société hein si gagne des amis en commun si gagne une commission de médiation qui capable créer pour résoudre crise là pour résoudre problème conflit vaut mieux que des monde crédit de la société civile faire jonction faire médiation pour scandale ça pour les camper là puisque son scandale de mauvais goût nous déjà gain trois problèmes problème sécurité problème kidnapping un problème grand goût problème économique problème politique problème chômage toute qualité problème dans corps peuple là donc nous pas besoin plus problème toujours nous pas besoin plus scandale toujours parce que c'est pas ça qui mission presse là. Donc nous prenons responsabilité à nan moi-même Gauthier Bernard et puis nan toute équipe Télé Anakaona pour nous dire halte là parce que son scandale de trop qui gagne dans média en Haïti. Maintenant, n'a retourner avec Peter Lee.
Donc Peter Lee et nous garder ça au fin dans l'armée réserve mais qu'on y a là ou rester disponible pour servir l'armée américaine à n'importe moment vous fait appel avec vous même puisque vous avez 6 ans ou active dans l'armée réserve là c'est ça fait une formation chaque un mois aller dans entraînement pour capable toujours être up to date pour capable toujours être à jour pendant temps ça yo qui l'autre bagarre ou tenter faire encore dans vous après l'armée bon et m'intégrer dans question et business et j'aime ça dire là m'investir et puis me faire ça aurait le real estate et à côté real estate là encore me fait taxe me fait assurance et actuellement là n'a enrôlé en pile monde pour Obamacare donc c'est ça qui fait n'a dit moun yo pour que capable et contacter nous au plus vite que possible pour que nous capable ba yo un très bel plan parce que dans moment là nous gagne des plans qui vraiment affordable et côté que mon n'a ka joine health vision et pour health vision dental pour $5 pour PPT $5 so et gagne un paquet de bel plans dans Obamacare donc au faire le state ça veut dire que on ka aider moun vendre kay ni acheter kay. Oui, et définitivement et nous c'est professionnel et nous prend et formation pour ça, nous fait en pile recherche et nous gain licence pour que nous capable exercer métier et donc nous fait en pile étude de terrain tant qu'ou aujourd'hui à là gain un phénomène sous market là et qui c'est un shortage dans question caille pas gain assez de caille et sous market là qui vient faire que market là monter. Et ou vin wè que côté que interest rate lan li low li bas et puis que ou vin gen un paquet moun ki vin gen accès pour ka acheter kay parce que lò gen interest rate lan ki bas ou vin gen plus moun ki ka afford li ki ka paye l c'est ça qu'il faut vin wè que deux bagay sa ou mélanger et puis il vin pousser prix à monter parce que demande lan vin high. Ou vinn gon demande ki en pile mon a mande kay pa gen ase kay. On bon c'est ça qui vinn et passer dans market real estate là et n'a di moun yo et malgré ça nous même des professionnels nous gen des techniques pour que nous capable fò jwenn kay ou besoin. On bon et sou besoin vendre kay ou tout nous gen des techniques tout pour que nous capable permettre ou vendre kay ou non seulement fin vendre kay là et puis ou ap sorti avec un profit ou ka al fon business ou vle et puis tout capable et à l'acheter yon lot kay yon lot côté nou pa conseiller moun nan pou lèl fin vann yon kay nan zone nan et puis pou capable vann à l'acheter yon kay nan même zone nan quoi li pa make sense ou pa sans payer même quoi bout te vann ni parce que et zèblan li gra tout côté on bon OK maintenant si on moun besoin acheter yon kay et vendre un kay si on besoin faire Obamacare si on besoin et faire TPST comment on capable contacter puisque vous faites tout bagage ça. Bon pour capable contacter c'est numéro c'est 786 366 96 73 786 366 96 73 pour que nous capable parler n'a bon évaluation kayou combien kayou vaut et n'a dou et qui sont besoin pour capable qualifier pour capable acheter kayou. Tout ça n'importe question gain contactez Peter Lee. Voilà madame monsieur nous t'apprécevoir Peter Lee Jean-Baptiste qui sont militaires mais qui je dis en trouver dans l'armée réserve là mais entre-temps tout Peter Lee qui c'est un vendeur hein, qui vend caille et qui capable tout acheter caille et qui bail service Obamacare TPS donc son jeune garçon pendant 5 ans les États-Unis et bien les gars font pile parcours son modèle. Nous devons venir avec Peter Lee comme modèle haïtien qui est là dans le système américain, qui est intégré et qui est déjà un professionnel. Son façon pour nous dire, ou même jeune femme, jeune garçon, de nous arriver là dans le système, là, qu'on s'en a fait pour nous capable bien identifier enjeux, défis et opportunités. Émission ça, réalisateur, conceptuel, Herbie Léveillé, présentateur, moi-même Gauthier Bernard. Bye bye, à la prochaine.